L'abbaye Saint-Michel de Frigolet est installée au creux d'un vallon de la Montagnette, au milieu des pins, des oliviers et des cyprès. Fondée au Xe siècle, l'abbaye devint un pensionnat après la Révolution. Frédéric Mistral y séjourna 2 ans et s'y amusa beaucoup. Après une période d'abandon, l'abbaye accueillit des prémontrés en 1858. C'est alors qu'elle fut entourée d'une enceinte néo-gothique avec tours, courtines, créneaux et mâchicoulis. À Nîmes, la célèbre Maison Carrée jouxte aujourd'hui un musée d'art moderne dont l'aspect contraste beaucoup avec l'architecture antique. Les arènes de Nîmes, très semblables à celles d'Arles, peuvent contenir 24 000 spectateurs et datent du 1er ou du début du 2e siècle de notre ère. Thank you.
Dans les armoiries de la ville figure le crocodile enchaîné, symbole de la conquête de l'Égypte par les légionnaires qui devinrent ensuite citoyens de Nîmes. Saint-Romand est une abbaye troglodytique dont le creusement aurait commencé aux environs du 5e siècle. C'est l'un des plus anciens monastères de France. À partir de 1538, il est devenu une forteresse par la construction d'un château sur la terrasse supérieure. Château détruit vers 1850. La chapelle est une grotte naturelle aménagée par les ermites et les moines. Le chœur voûté date du XIIIe siècle. Dans son axe se trouve le tombeau qui contenait les reliques de Saint Roman, but du pèlerinage. À droite de la chapelle, on peut voir le siège de l'abbé, pièce unique en France, daté du XIIe siècle. Tout à côté, le siège plus modeste du prieur. Les côtés de la nef, de forme irrégulière, présentent de nombreuses tombes dans le sol et dans les parois qui ont malheureusement été exploitées en carrière.
Ça, c'était un long bidule ici. Hein. Il faut vraiment l'attendre. Ça, c'est spécial. De la terrasse, recouverte par la nécropole du monastère, on découvre le magnifique panorama de la basse vallée du Rhône. À l'une des extrémités de la terrasse, on peut voir quelques excavations qui sont les chambres des premiers ermites. Ah si, voilà la structure latine ici. L'une d'elles, tout à fait au fond, présente sur le haut de la porte une inscription latine qui dit « Vitalis a vécu dans cette modeste cellule ». Postérieurement à l'occupation des moines, le sol a été creusé de silos à grains qui sont toujours visibles. À l'extrémité d'un couloir formé par les fortifications du château, on surplombe le grand vide des salles communes avant de traverser un nouveau couloir creusé de silos qui conduit de nouveau à la chapelle.
Ah, je l'ai pas vu. Des soldats, parce que c'était un feu ici. Ah ouais. Il y avait peut-être des soldats qui étaient soldats en 1890. Les grandes salles, au bas de l'escalier à gauche, une porte s'ouvre dans le rocher et vous permet d'accéder aux salles communes. L'immense salle où vous êtes, 12 mètres de haut, 17 mètres de long, 6 mètres 50 de largeur moyenne, était en effet autrefois divisée en trois pièces superposées. C'est pourquoi vous voyez sur les parois les traces de voûte. La pièce du rez-de-chaussée présente dans l'angle du fond à droite l'encastrement d'extrémité d'une mangeoire. C'était l'écurie. Les autres salles ont été vraisemblablement dortoirs, réfectoires ou salles du chapitre. Le tout a été entièrement creusé à main d'homme. Et c'était d'ailleurs des plafonds qui n'étaient pas en bois, c'était des plafonds en pierre, et c'est pour ça qu'il y a des voûtes. Votre visite est terminée. Je me demande si c'est le tour. En cette journée ensoleillée du mois de janvier 1994, une promenade dans la campagne qui entoure le village de Molan nous fera oublier les nombreuses journées pluvieuses qui ont assombri les fêtes de fin d'année. Thank you.
covered the sky. Dans la vallée du Toulouran, la chapelle de Notre-Dame-des-Anges est un lieu de promenade privilégié. En été, c'est ici le rendez-vous des pique-niqueurs et des promeneurs qui souhaitent explorer la vallée du Toulouran. Thank you.
Situé à 4 km au nord de Bolène, le village troglodyte de Barry, aujourd'hui abandonné, s'étage sur les flancs d'une colline qui domine la vallée du Rhône. Le village fut occupé dès le néolithique en raison de son excellente orientation. Les habitations étaient creusées dans le roc, mais possédaient une façade en pierre. Le tout petit feu de rien du tout, ça fait toute la baraque. Mais c'était bien fait. Regarde, là-haut, il y a un tronc d'arbre, des troncs d'arbre. Ah, ici, il y a des trucs pour monter et pour arriver aussi.
Le village des Guèzes se trouve sur la rive droite de l'Ardèche, au débouché de la vallée. Des remparts de l'ancienne forteresse, on a une jolie vue sur la vallée et sur la ville de Saint-Martin d'Ardèche qui lui fait face. En ce mois de janvier, le village des Guèzes est particulièrement désert. Il est vrai qu'en temps normal, ce village ne comprend que 182 habitants, mais lors de notre visite, c'est en vain que nous y chercherons un café ouvert, les quelques chiens et les chats que nous y croiserons ne nous ayant pas été d'un grand secours. Après les pluies incessantes que la région a connues pendant 2 jours et 2 nuits consécutives, l'Ouvèze est de nouveau en crue et déborde à plusieurs endroits.
les gens de Vaison ne peuvent oublier la terrible trombe d'eau qui, suite à un orage, dévasta la ville il y a un peu plus d'un an. Cette année, Louvèze signale de nouveau sa présence et rappelle à tous que la nature peut parfois être domptée, mais jamais totalement maîtrisée. À l'entrée de la cathédrale de Vaison, des fouilles sont en cours. Peut-être permettront-elles de mettre à jour les vestiges des différents édifices religieux qui se sont succédés ici depuis le IVe siècle. La cathédrale de Vaison est un magnifique édifice de style roman provençal. Son chevet repose sur des fragments arrachés à un temple romain. En amont de Vaison, la crue de Louvèze est spectaculaire. Seuls les ponts antiques, perchés très haut au-dessus de l'eau, semblent avoir résisté au déluge. Tous les ponts modernes ayant été endommagés, sinon détruits, par les crues de 1993 ou par celles de ce début de 1994.